Bienvenue sur Tango Résine. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des petites géodes en porte-clés. Alors pour ça, il vous faudra une feuille de papier cuisson ou peu importe une feuille dont la résine ne collera pas dessus, une feuille blanche, donc une feuille blanche d'imprimante ou de canson, de ce que vous voulez. Hop! Donc une feuille blanche, il vous faudra du scotch, un crayon et un pistolet à colle. Voilà, le mien est en train de chauffer. Comme ça, il n'y aura pas besoin d'attendre. Donc nous allons pouvoir dessiner. Allez, on va dessiner deux petites géodes. Donc vraiment à main levée. Hein. Voilà. Une seconde ici. Là, évidemment, de toute façon, le pointu, on s'en moque un petit peu, puisque quand on mettra la colle chaude, ça ne se verra plus. Vous le placez dessous, vous collez votre feuille pour ne pas qu'elle bouge. On va coller notre feuille de papier cuisson, bien la tirer afin que la feuille blanche dessous ne bouge pas trop. Voilà, je pense que ça ira. Ensuite, nous allons donc pourvoir, maintenant que nous avons notre repère, prendre notre pistolet à colle. Pardon. Et pouvoir refaire le tracé à la colle chaude. Alors faites-le assez épais, parce que quand nous allons commencer à résiner, il ne faudrait pas que la résine, ça chauffe du rein, ça fume, que la résine passe par-dessus. Voilà, je vais finir le bâton en repassant par-dessus pour épaissir un peu plus, pour faire un peu plus de hauteur. Voilà, je vais reprendre donc un autre bâton. Ça, je vais le poser à côté pour pas que ça continue à coller sur mon motif. Voilà, je remets un bâton. On y va, on repose, on repousse un peu pour faire un peu plus épais. J'aimerais avoir une belle épaisseur. Donc surtout ne pas lésiner sur la colle. Et le fait que les bords soient complètement difformes, c'est très bien parce que la pierre, en fait, la géode, doit rester naturelle. Voilà. Maintenant, nous allons faire le centre. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, en voilà une. J'allais retourner. Non, c'est vrai que j'ai scotché. Je vais essayer de bouger un peu pour que vous ayez la totalité du motif. Après, vous n'êtes pas obligé, si le motif ne vous plaît plus, vous n'êtes pas obligé d'appliquer exactement au moment du pistolet à colle. Vous pouvez toujours changer votre dessin. C'est juste pour vous donner un repère. Vous voyez, je l'ai peut-être fait un peu grosse pour des porte-clés. C'est peut-être un peu abusé, donc on ne fera pas des porte-clés, on fera des objets déco. Parce que. Ou à la limite, oui, un porte-clés avec deux, trois petits clous dessus pour accrocher les clés le soir quand on rentre à la maison. Mais ce ne sera plus des porte-clés de sac. Hein. J'ai peut-être eu la main un peu lourde sur la taille du motif. On va finir le bâton de colle pour faire un peu plus épais. On va en remettre un. Ça part très très vite.
Je pense que là, il y a assez de hauteur. Hop. Voilà. Parfait. Peut-être un peu plus haut pour être sûr d'avoir un trou. C'est assez délicat quand c'est petit parce que la colle ne coule pas toute fine. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Hop, voilà. Ensuite, on va poser ça comme ça. Je vais débrancher mon pistolet à colle afin que ça ne continue pas à chauffer. Nous allons enlever tous ces petits fils. Qu'ils soient à l'extérieur, c'est pas trop gênant, hein. Vous n'avez pas besoin de les enlever. C'est surtout où c'est chaud, évidemment. C'est surtout à l'intérieur. Voilà, au moment où nous allons couler la résine. De toute façon, nous reviendrons sur une deuxième vidéo au moment de créer justement ces géodes. Là, c'était surtout pour vous montrer comment les créer si vous n'avez pas de moule. Tout simplement comme ça, et ils nous couleront ensemble. Voilà. Nous coulerons ensemble notre résine. Voilà ce que ça peut donner. Déjà, vous n'avez pas de moule, il vous suffit d'avoir une feuille blanche, un crayon à papier, du scotch, une feuille de papier cuisson et un pistolet à colle chaude. Voilà. Je vous reviens pour justement les créations de ces deux géodes. Merci de m'avoir suivi, le petit pouce en l'air et l'abonnement si ce n'est pas fait. Merci pour votre fidélité et bienvenue. Au nouveau, à bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. À très vite pour de nouvelles vidéos.